Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Camille n'est pas là aujourd'hui mais elle se joint à moi pour vous présenter le sujet du jour. Nous avions envie de mettre en avant une nouvelle fois le garage Alternative Propulsion de Sylvain que nous avions rencontré dans une précédente vidéo, je vous mets le lien par là. Sylvain c'est un passionné qui a décidé de s'investir à fond pour prendre en charge les véhicules électriques et les véhicules de passion. Et il organisait, il y a déjà quelques semaines, mi-novembre, si ma mémoire est bonne, ses premières rencontres électriques. En fait, il a eu l'idée d'organiser une journée sur laquelle il proposait aux gens de passer à son garage pour profiter de divers ateliers et de diverses choses qu'il avait mis en avant qui tournaient autour du thème de l'électrique. Les personnes ayant fait le déplacement pouvaient y retrouver le Tesla Owners Club Occitanie, ils pouvaient également retrouver l'équipe de Green Drive qui mettait en avant ses accessoires. Il y avait également une mise en avant de ses activités de rétrofit puisqu'il vous propose de transformer vos deux chevaux en deux chevaux électriques. Il propose également la location et la vente de Mehari électriques. Et il mettait surtout en avant la Tesla Model 3 Performance qu'il a modifiée pour faire des concours d'endurance électrique. Bref, c'était un beau programme. C'est un passionné qui le présentait et on avait envie de le mettre en avant une nouvelle fois parce que Sylvain mérite d'être mis en avant, ses collaborateurs également. Donc j'espère que ces petites images vous font plaisir. Si vous avez des questions, je vous mets les coordonnées de Alternative Propulsion dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter. Si vous avez besoin de faire l'entretien de votre Tesla, de faire teinter vos vitres, de faire l'équilibrage des pneus, bref, tout ce que vous pouvez faire sur la Tesla, vous pouvez le faire chez lui, à un prix tout à fait compétitif en plus, donc n'hésitez pas. Comme vous le voyez sur les images, il s'occupe également de l'entretien des véhicules passion et collection thermique. Donc si vous possédez ce genre de véhicule et que vous voulez le faire bichonner, n'hésitez pas non plus à les contacter. Dernière petite chose, sur cette journée, il y avait une artiste qui s'appelle Caroline Long, qui proposait ses œuvres à la vente et qui pour l'occasion dévoilait une œuvre spécifique dédié à Elon Musk, que je vous laisse découvrir également sur les images.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que les rencontres électriques vous ont donné envie d'assister à une prochaine édition. Sylvain, si tu nous écoutes, n'hésite pas, programme une prochaine édition. On s'arrangera avec Camille pour être là et pour venir découvrir par nous-mêmes, parce que ça avait l'air franchement sympa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas et à activer la petite cloche qui va bien pour être informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo de Camille et Cédric en véhicule électrique. Ciao, ciao!